Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec le casque Astro A40, le nouveau. Donc on dit nouveau parce qu'il a un nouveau design, on va dire, au niveau des petites plaques qui sont interchangeables, je vais vous montrer ça. Et apparemment le micro aussi qui est interchangeable, donc on va voir ça tout de suite. Donc le but d'unboxing, c'est vraiment d'ouvrir la boîte ensemble et de découvrir ensemble. Donc là il est quelle heure? Il est 22h30, je l'ouvre là. Parce que ce soir, je suis en live et j'ai envie de la voir en live pour voir ce que ça donne. Donc, hop, voilà le petit A40. Donc, j'ai pris sans le mix sans pour l'instant. On va se contenter du modèle, de casque simple, sans le mix sans. Mais c'est mon premier Astro. Donc, hop, on va vraiment le découvrir ensemble. On va enlever les petites languettes. Voilà, normalement, il devrait coulisser. Voilà. Donc, on dit au revoir à la petite boîte. Voilà, hop, petit... Un petit gros vent sur la petite boîte. Voilà, donc dedans c'est présenté comme ça. On dirait presque une PS3, c'est marrant. Ça y est, la forme un peu bon. Hop. Alors, on va ouvrir le bijou ensemble. Voilà, au moins ça s'ouvre rapidement. Il n'y a pas à s'embêter. Voilà, il est présenté comme ça. Donc j'ai pris le modèle blanc. Il y avait un modèle carbone aussi, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, ça se présente comme ceci, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On va faire un peu de place. On va commencer. En tout cas, il est bien emballé, il est bien protégé. Hop. On va juste commencer par les papiers Astro. Donc, hop. Il y a quand même une notice. Il y a quand même un guide. Comment? Pour les connectiques. Donc, il y a un petit guide. Voilà, comme ça. Il y a quand même un petit guide. Donc, voilà. Pour une fois, c'est bien parce que la plupart des objets maintenant n'ont plus de notice. Alors, comment se présente la bête? On va pas faire un test, hein, c'est vraiment un unboxing. On va découvrir comment il est. Ok. Bon. Maintenant, le casque à proprement dit. Très, très belle finition. Alors, déjà, premier truc, quand je vois comme ça, j'ai beaucoup de casques, les gars. J'ai énormément de casques. Finition, ça fait vraiment, vraiment, vraiment classe. Déjà, rien que le harnais en haut, regardez. Il est assez énorme. Franchement, il est assez énorme. Bonne finition. Donc voilà, réglable. Donc je vais y aller mollo. Voilà, il est réglable comme ça. Donc il y a les trucs qui sortent, c'est assez stylé. Franchement, plutôt surpris de la finition. Le casque, donc voilà, entièrement réglable. Avec des gros coussinets. Non, franchement, ça a l'air d'être un bon produit. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Hop, voilà. Donc c'est ça que je vous parlais. Donc ces plaques-là vont être interchangeables. Donc il y aura un kit, on pourra acheter des kits pour faire par exemple un kit Black Ops, j'ai une connerie, peut-être des clips Millennium, Vitality, voilà, il y aura plusieurs clips, on va pouvoir changer, le modifier à sa guise, ça peut être plutôt sympa, faut voir le prix des kits après, ça c'est comme tout, mais plutôt sympa. Et il parlait du micro interchangeable, donc ça je sais pas trop, je vais pas m'aventurer là-dessus, mais en tout cas le micro, regardez, vous pouvez bien plier. Ça a l'air assez flexible. Au niveau ah ouais, d'accord, ça tourne bien. Non, franchement, assez léger. Déjà, assez surpris, c'est qu'il est assez léger. Et vraiment, le design qui me plaît, quoi. Le design est vraiment sympa. Donc, voilà, je vais vous montrer aussi ce côté-là. Voilà, Astro. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un beau casque. C'est vraiment un beau casque. Il est à peu près à 160€ en version simple. Et en version avec le mix amp. Il a 260-270. Donc voilà, ça va faire ajouter. Le mix amp vendu seul, il est à 130. Donc ça vaut le coup d'acheter le kit ensemble, mais vous pouvez racheter après le mix amp à part. Donc voilà, après au niveau des coussinets, les coussinets, ils sont juste énormes. Donc je pense que niveau. Ça doit être assez confortable. On va voir ça. Hop, white, qu'est-ce que je fais? Voilà. Oh! Ah ouais. Alors là, les gars. Moi qui ai beaucoup de mal à porter un casque, j'ai lequel en ce moment? Attendez, bougez pas. En ce moment, je mets celui-là. C'est un PX22. Niveau qualité-prix, il est vraiment presque imbattable, ce casque-là. Mais niveau confort, pour que je me rende compte, niveau confort, c'est le jour et la nuit, les gars. C'est le jour et la nuit. Après, faut pas comparer, c'est pas le même prix. Mais niveau confort, c'est juste énorme, quoi. Il est très 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 confortable. Bon, après je dis pas que je suis spécialement beau avec, hein, mais non, si, franchement, un beau petit casque. Non, franchement, plutôt satisfait de ce casque, très confortable. Donc il y a bien sûr une mousse ici, les mousses très 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 confortables ici,
un beau design blanc, je regrette pas. Les réglables très simples ici et qui sont plutôt stylés pour une fois. Là, l'arceau ici, franchement stylé aussi. La mousse. Que dire de plus? Je vais le tester ce soir en live. Donc directement en live. Juste au niveau des connectiques. Donc celui-là, hop. Donc j'ai plusieurs connectiques. Je pense que va falloir que je regarde ça de près. Là, on a des réglages ici. Donc je pense que c'est pour le son, le micro. Ouais, voilà. On a un petit boîtier, comme j'ai pas de mix-amp, on a ça qui nous permet de faire des petits réglages. Donc plus ou moins, voilà. En fait, ça tourne tout le long, voilà, une petite molette ici. Je sais pas si vous voyez bien, qui sert à régler le volume et couper le micro. Ou le mettre, tout simplement. Ouais, A, B, A, B. Alors je sais pas si c'est pour couper ou pas. Là, on a un bouton derrière. Ça sert à quoi ce bouton-là? Peut-être activer le micro, je sais pas. Va falloir que je regarde la notice de plus près. Et là, on a un autre câble, je pense, pour débranchement, peut-être console. Je sais pas. Ça, pareil, il faut que je me renseigne. De toute façon, on verra ça après. Je vais pas vous faire un test derrière. C'est vraiment un unboxing pour voir comment est l'objet. Mais franchement, très, très, très bel objet. 160€ ce casque-là. Franchement, je suis pas déçu de mon achat, les gars. Et il est confortable. Oh là là. C'est rare que j'ai vu un casque aussi confortable. Après, ça dépend peut-être des personnes. Mais moi, je le trouve vraiment, vraiment très confortable. Mais ça reste un casque filaire hein, par rapport à un Logitech qui vient de sortir, je ne sais plus le nom. J'hésitais entre les deux, entre Logitech sans fil et celui-là. Mais franchement, là, je ne regrette pas pour l'instant. Je vais écouter le son qu'il a et je vous tiens au courant les gens. En tout cas, c'est un casque plutôt sympathique. Donc voilà pour l'unboxing de l'Astro A40, le nouveau, avec voilà, les petits trucs interchangeables et plutôt satisfait du design, plutôt satisfait du confort. Et moi, je vous le conseille, si jamais vous l'incasse. Niveau design, je parle pour l'instant. On n'a pas parlé du test, je ne sais pas ce que ça donne en game, tout ça. Mais pour moi, je suis content pour le moment. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit unboxing rapide sur un petit casque plutôt sympathique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Ciao !